Correspondance de Chantal. Chaque soir, nous vous rendons hommage, nous applaudissons votre courage. Pour nous, vous vous battez avec détermination, forçant ainsi toute notre admiration. Merci et bravo. Correspondance de Laurent. Des anges blancs, des anges bleus s'agitent dans les couloirs, masquant leur fatigue et leur désespoir pour nous faire ressentir une lueur d'espoir. Des anges bleus, des anges blancs nous protègent en souriant malgré leur cœur brinque-ballant. Invisibles, on ne les voit pas. C'est tant mieux pour les nôtres. Il y a ceux, et puis il y a les autres. Correspondance de Catherine. Vous avancez, masqué, en rang serré, malgré ce virus dispersé. Fidèles et loyaux soldats, chacun pilier d'une armada, chaque jour au combat. Tenez bon, merci. Merci pour ce don de vous. Correspondance de Pascal. Je soigne mes mots, tu soignes tes mots, il soigne ses mots. Vous, soignants, soignez et sauvez des vies. Nous vous remercions. Ils approuvent votre action. Correspondance d'Agnès. À vous qui insufflez de la vie à ceux qui ont le souffle coupé. À vous qui souffrez dans vos corps et dans vos âmes autant que vos malades peuvent souffrir. À vous qui serez tellement marqués le jour d'après, mais à vie toujours indispensable. Je veux dire merci, merci, merci du fond du cœur. Correspondance de Nadia. Pardon. Oui, pardon de ne pas avoir réagi lorsque vous dénonciez vos conditions de travail déplorables dans les hôpitaux. Pardon parce qu'aujourd'hui, vous, vous êtes là. De la femme de salle au médecin, pour nous accueillir, nous soigner, nous rassurer dans ces mêmes conditions déplorables. Pardon et merci à vous d'être là pour nous. Correspondance de Sébastien. Je vous côtoie tous les jours dans le cadre professionnel depuis 30 ans. Je sais bien qu'il en faut des qualités pour être soignant. Intelligent, organisé, dévoué, rigoureux, résistant, empathique. Ce que j'ignorais, c'est tout le courage que vous nous démontrez. C'est la force qui vous anime. C'est l'abnégation dont vous faites preuve à chaque instant. C'est l'héroïsme incroyable qui nous impressionne tous. Vous aviez déjà tout mon respect. Vous gagnez en plus ma sincère admiration. À la fin de cette période, quelle joie ce sera pour moi de vous retrouver pour vous dire, tout simplement, merci. Correspondance de Chantal. Vous qui un jour avez choisi ce si beau métier, par nous tous, soyez encouragés. Vous, les anges blancs qui, sur nous, veillez, soyez infiniment remerciés. Vous, qui actuellement soignez sans compter, par l'élan de nos cœurs, soyez portés. Correspondance de Patricia. Vous qui soignez tant de souffrances et tant de détresse, soignants épuisés mais toujours mobilisés, vous qui prenez soin de nous au mépris de vous, merci, merci du fond du cœur. On pense à vous. On pense à vous. Correspondance de Stéphane. À vous, femmes et hommes de l'ombre qui tous les jours avaient comme seule conviction nous aider, je tenais à vous remercier de prendre soin de nous. C'est souvent, et malheureusement dans le cas où nous avons besoin de vous, que l'on prend conscience de votre présence. Toutes mes pensées, les plus positives. Correspondance de Marie. À vous, le personnel de santé qui mettez vos vies en danger,
vous qui êtes souvent décriés parce qu'en grève vous restez, parce que de moyens vous manquez. Au péril de votre vie personnelle, le difficile quotidien vous affrontez, le tout pour le tout, vous tentez sans jamais rien lâcher pour l'amour du métier et de votre noble et belle cause. Vous agissez pour tout ce que vous êtes et vous faites. Je vous dis merci. Correspondance de Malo. À vos gants, masques et combinaisons, à vos courages, force et passion, à vos connaissances, expérience et compassion, nous levons nos habitudes pour rester à la maison. Séchez vos larmes, oubliez vos peurs, ignorez les attaques et levez la tête. Nos mains, nos casseroles et nos chansons battent et résonnent chaque soir à votre dévotion. Correspondance de Sarah. Cher personnel soignant, ou plutôt devrais-je dire, cher héros de notre société. Car oui, si d'habitude c'est bien le gouvernement qui supporte la société, c'est aujourd'hui vous qui la supportez. Vous, personnel soignant, médecin, infirmière, aide-soignant, mais aussi ne l'oublions pas, vous, agent d'entretien qui vous attelez à l'entretien de ces locaux touchés par le virus afin de lutter contre celui-ci. Est-ce vraiment votre rôle de tenir à bout de bras la société? Là n'est pas le débat, même si nous connaissons la réponse. Sachez que je vous admire et vous remercie pour tous ces efforts mis en œuvre pour gagner ce combat. Merci à vous d'avoir tant de courage, d'être si bienveillant et d'avoir un si grand cœur. Vous dites que c'est votre métier, mais c'est le métier du gouvernement de savoir gérer des crises, pas le vôtre. Alors, merci de faire beaucoup avec si peu de moyens. Merci de tenir à bout de bras notre société. Merci de sauver l'humanité. On vous soutient. Et la société entière vous admire et vous respecte. Correspondance de Shannon. À tous nos soignants qui nous protègent, nous et nos parents. À tout le personnel hospitalier risquant leur vie pour nous sauver, aux infirmières et infirmiers, étudiants ou même retraités qui furent appelés afin d'aider, à tous ceux qui mondialement risquent leur vie et donnent leur temps pour soigner un nombre important de patients, acteurs de l'ombre, aujourd'hui mis en lumière, nous vous envoyons toutes nos ondes de soutien pour votre courage au quotidien. Correspondance de Valérie. À vous, chers soignants, qui avez longtemps crié, hurlé, alerté, manifesté votre détresse, votre désarroi, vos manques de moyens, de considération, on n'en peut plus, disiez-vous, on est à bout de souffle. Nos dirigeants politiques, du haut de leur perchoir, ont ignoré vos requêtes, vos suppliques. Ils ont continué à ne pas vous écouter, à vous dédaigner. Et maintenant, ces mêmes soulignent votre utilité, vos remarquables qualités. Non, mais laissez-moi rire. Non, plutôt laissez-moi pleurer devant tant d'hypocrisie et de stupidité. Correspondance de Zaza. Merci pour votre présence, votre courage, votre ténacité et votre dévouement sans limite. Merci pour le combat, la lutte que vous menez sans relâche contre cet ennemi invisible. Je suis tellement admirative. Prenez soin de vous. Correspondance de Nadia. Médecin, infirmière, aide-soignante, où que vous travaillez, merci. Merci d'être là pour nous au péril de votre vie. L'avons-nous mérité? Étions-nous là quand vous avez tiré la sonnette d'alarme sur le problème médical? Non, mais vous, aujourd'hui, vous êtes là pour nous. Que dire? Merci. Mais nous n'aurons jamais assez de toute une vie pour vous dire merci. Merci pour tout.